Je vais te faire un peu de temps.
Ce qui se passe, c'est le problème de la gestion de la gare routière. La gare routière, elle est construite pour nous les conducteurs. Et effectivement, on est très content de notre gare routière à Atakpamé. Mais la confusion qui est, c'est les revendeuses de bananes au bord de rue de la Nationale 1 qui sont telles qui nous imposent maintenant. Elles sont venues à leur niveau dire que les véhicules doivent faire des déchargements auprès d'elles pour qu'elles puissent vendre leurs bananes et leurs fruits. Que les passagers ont droit à faire leurs besoins. On n'a pas refusé les besoins des passagers, non. Mais le chauffeur a droit à faire rentrer son véhicule à la gare routière. Les besoins des passagers, les passagers prendront les motos, aller faire leurs besoins, payer des fruits là-bas, revenir prendre les places à la gare routière. C'est ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, nous avons eu ce contraire. Les femmes maintenant disent qu'elles ont eu le pouvoir de faire arrêter les véhicules et les passagers maintenant vont descendre à leur niveau, faire leur gré et remonter. C'est le maire qui les a autorisés. Oh. Dans notre carrière, là où on fait une descente, on pourrait faire un chargement. Là où on fait un déchargement, on pourrait faire un chargement. Le maire était arrivé à notre niveau cette matinée. Les femmes revendeuses ont bloqué la route, la nationale. Le maire était arrivé à ce niveau. Il a eu à parler avec les femmes. Et je suis sûr que c'est sorti que les femmes peuvent faire l'arrêt des véhicules et les passagers vont faire leurs besoins. Et sur ce, nous sommes partis faire le constat. Effectivement, c'était vrai. Les femmes arrêtent les véhicules à leur niveau. Et les passagers descendent pour faire. Le hors, c'est contre. Nous sommes contre cela. Parce que là où les passagers descendent, ils vont encore reprendre les passagers. Or, nous voulons montrer à tout conducteur la gare routière. Les femmes ont commencé à nous injurer, à nous dire qu'on n'avait pas le pouvoir, qu'on les a donné aujourd'hui le pouvoir. On ne peut plus les réprimer nos conducteurs de rentrer à la gare routière. C'est ce que nous sommes là, au niveau du maire. Puis il nous donne notre pouvoir. On a raconté le maire. Il nous a dit rendez-vous lundi. Il nous a donné un rendez-vous pour la rencontre avec les femmes revendeuses pour trouver un dernier compromis. C'est sur ce point que nous sommes arrêtés. C'est pourquoi j'ai dû demander à mon équipe de rentrer à la gare routière. Nous, qui sommes les premiers responsables, nous sommes arrivés ici. Les enfants ne savent pas ce pourquoi nous sommes là. Ils étaient sur les nerfs au moment où on les avait dit que les véhicules ne vont plus venir. Ils vont s'arrêter au niveau de la gare routière. C'est sur ce que nous sommes venus. Et à cause de cela que les enfants ont protesté venir. On les a dit, nous avons un rendez-vous avec le maire. Ils n'ont qu'à refuser. C'est pourquoi ils sont repartis à la gare routière. La gare routière est construite pour nous les conducteurs.